Coucou, c'est Cathy, comment allez-vous? Bon, ben moi je vais super bien parce qu'aujourd'hui, petite vidéo pour un haul. On aime quand on reçoit du tissu. J'adore. Allez, je vous embarque. Et coucou, donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour un haul. Donc je vais vous parler de tissu. Un petit peu de fil, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi ça va, franchement, ça va. J'ai la pêche. J'ai eu une période un petit peu bizarre à un moment, et puis là, je sais pas, je suis en forme. Donc, je suis super contente de vous retrouver. Et donc, on va commencer sans tarder. J'ai tellement de choses à vous dire que tout se mélange dans ma tête, mais je vais y arriver. Vous inquiétez pas. Donc, je voulais vous parler, j'ai fait une commande. Alors, je regarde là un peu, je suis désolée parce que je me suis mis directement sur le site dont je vais vous parler. Et pour éviter de vous dire des bêtises, et parce que je ne me souviens plus des noms exacts. Donc, voilà. C'est un site que j'ai découvert via une chaîne YouTube. Me semble-t-il que c'est Nouvelle Evie qui a passé commande sur cette chaîne de République tchèque. Voilà. Et elle en disait du bien avec des prix quand même très attractifs. Donc, on est faible. Cathy est faible. Je l'assume. Je me suis dit, bah tiens, oui, pourquoi pas. Donc, ce site, c'est fabrichouse.com. Je vous le marquerai par là. Voilà. C'est en République tchèque. On trouve un petit peu de tout, aussi bien du tissu, des accessoires, de la mercerie, des accessoires pour des sacs à main, voilà, plein de choses. Il faut fouiner. Alors, je suis un peu comme vous, quand j'ai passé cette commande, donc je me suis mis sur Google, j'ai demandé la traduction, ça peut être traduit en anglais et en français. Bon, évidemment, je me suis mis en français, voilà. Après, on est un petit peu perdu parce qu'ils n'ont pas le même code. En fait, il y a des choses, on renvoie et puis quand on clique dessus, ah oui, c'est ça, d'accord. Donc, voilà. Donc, je me suis fait cette petite commande, exactement, je vais vous dire quand, le 5 mai. Ils ont mis le 5 octobre. Je pense qu'il y a un gros problème. Non, c'est le 5 mai. Ça, ah non, c'est le 10 mai. Pardon, c'est à l'envers. C'est le 10 mai. Nous sommes lundi 31 et je viens juste de la recevoir. Donc, en effet, c'est un petit peu long au niveau des envois. Donc, sachez-le, si vous voulez commander sur ce site, les envois sont très longs. Il passe par DHL. Donc, j'ai reçu un message la semaine dernière de DHL, comme quoi il y avait un petit problème avec mon adresse. Je suis retournée sur le site, l'adresse était bonne. J'avais cliqué sur le lien que DHL m'avait mis, tout était bon. Donc, je me suis dit, bon, déjà là, il y a un petit bug quelque part, soit de DHL, soit du site, mais en tout cas, mon adresse était bonne. Donc, je me suis dit, si elle est bonne, normalement, je vais recevoir ma commande. Et en appelant DHL avec ce petit incident, ils m'ont dit, ah oui, mais nous, on a deux DHL. On a le DHL qui va très vite, impeccable, et on a le sous-DHL. Voilà. Elle m'a dit, donc je pense que vous êtes avec le sous-DHL. J'ai fait, et alors? Elle m'a dit, s'il y a un souci, il faut les contacter. Ben, je lui ai dit, donc vous pouvez me donner le nom. Ils m'ont dit, le téléphone, ils m'ont dit non, non, bon, bref. Et au final, bon, j'ai dit, je vais laisser. Je voyais que j'avais une avancée quand même par le biais de mon lien. Et que je voyais qu'il y avait quand même une avancée. Donc je me suis dit, reste tranquille. J'avais cliqué sur le lien le jeudi. Et on m'informer que ma livraison arriverait le 31 et je l'ai reçue aujourd'hui. Donc voilà pour le site. Les prix sont relativement intéressants. Après,
Bon, c'est ma première commande. J'ai pas tout essayé, bien évidemment, mais je l'ai ouverte. Et franchement, je suis assez contente de ce que j'ai reçu. Donc, eh ben, je vous montre. Alors, je me suis trouvée du simili cuir. Bon, évidemment, il est au fin de la liste. Alors, leur nom à eux, c'est du Literrette métallique gold. J'en ai pris. Alors attendez, parce qu'ils m'ont mis aussi. Alors je suis sur mon compte en même temps et ils m'ont donné un papier. Je vais le retrouver sur le papier, voir si c'est bien exactement. Alors là, évidemment, c'est en tchèque, donc je ne comprends à rien du tout. J'en ai pris 80 centimètres. Je n'ai rien mesuré et vous allez me dire, ouais, mais c'est pas cool, Cathy. Tu connais pas le site et tu mesures rien. Ouais, c'est vrai, j'ai pas été cool. Donc, je vais le mesurer et je vous le marquerai pendant le montage. D'accord? Donc, ce simili cuir, le voici, le voilà. Alors, vous voyez exactement la bonne couleur. Il est très fin et de l'autre côté, il est comme ceci. Voilà. Alors, j'avais dans l'optique de me faire un sac et je pense que je me ferai un sac et peut-être une trousse de toilette. Oui, j'ai envie de briller et je pense que je vais me faire mon sac de plage. Voilà, j'ai envie de ça. Me demandez pas pourquoi, mais j'ai envie. 80 cm, oui, bon, je pense qu'ils y sont. Et même peut-être un petit peu plus. Il est très souple. Voilà. Il est un peu plus souple que celui de Dressenstoffen, mais en même temps, il est plus fin. J'en ai pris donc 80 cm, je l'ai payé 8,68 €. Faut aussi savoir que ce site, les frais de port sont de 9,50 €. Voilà, pour la France. Suivant les pays, je crois qu'ils augmentent ou ils baissent. Voilà. Donc voilà. Voilà, mais je l'ai aimé. J'ai dit, je vais tenter. Voilà. Alors après, ces mecs, comme ils mettent du temps à nous envoyer, si vous faites une commande, moi je serai vous, fouinez bien sur le site si vous êtes intéressé et faites vraiment une commande, mais avec des projets à long terme, si vous êtes de cette team à long terme. Ce qui a déclenché un petit peu ma commande. C'est pas ce simili cuir, c'est deux autres tissus que je vais vous présenter. Il y en a un pour l'hiver, donc j'étais large. Et il y en a un autre pour l'été. Je me suis dit, bon, en espérant qu'il arrive avant début août. Voilà. Et je l'ai eu, donc je suis assez tranquille. Mais ça prend du temps. Comptez bien 4 semaines. Voilà. Ensuite, je me suis commandé. Oh, elles sont pas trop belles. Oh, quand je l'ai vue, j'ai craqué direct. Donc, c'est du jersey. En tchèque, je vais pas vous lire. Alors, je vais rester là. Où es-tu? C'est du jersey viscose. Un peu n'importe quoi, mais bon. Voilà, c'est du jersey viscose. C'est exactement les couleurs que vous voyez. Il est très fluide. Donc de l'autre côté, c'est blanc. Très fluide. Très fin. Voilà. Vous voyez, vous tirez, vous me voyez un petit peu. OK. Mais il est extrêmement doux.
il est franchement, j'ai eu un coup de foudre. Coup de foudre, coup de foudre. Les couleurs sont vraiment, j'adore. Ben ça, écoutez, ça va être un t-shirt. Voilà, ça c'est sûr. Je vais, voyez, il est quand même transparent. On voit. Oh pardon. Coucou, me revoilà. Oui. Bon, après, pour un t-shirt porté, ça sera impeccable. Je pense me faire un Anton des bobines patterns. Alors, j'ai le patron depuis longtemps. Je ne l'ai jamais cousu et Jen m'a donné envie. Voilà, durant un live sur Insta. Jen, création couture. Et j'ai dit, ah oui, je l'ai. Elle m'a dit, franchement, il est top. Donc, voilà, ça sera pour un Anton des bobines patterns. Voilà. Donc, je vous ai pas dit le prix. J'en ai pris 1,20 m. J'en ai eu pour 11,63 €. Voilà. Est-ce que... Il était... Je sais que celui-là, il était un peu plus cher que les autres. J'ai pas les prix. Alors, j'ai... En fait, j'aurais dû... Ils marquent les prix en centimètres. Alors, ils sont gentils. Alors, en centimètres, ils marquent 10 centimes du centimètre. Voilà, 10 centimes par centimètre. C'est cher le centimètre quand même. Bon, je vous laisse faire le calcul. Mais en tout cas, je ne suis absolument pas déçue de la couleur. Vous avez vu cette belle... Oh, on dirait des pivoines. Je le trouve juste splendide. Magnifique. En tout cas, pas déçue. Alors, je vais le laver. On va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il va partir dans très peu de temps à la machine. Donc, je vous dirai si les couleurs sont passées ou pas. Donc, voilà. Je vous montre ensuite le déclencheur de ma commande. C'est ce doudou. Alors, désolée, on a été coupé. Donc, ce tissu-là, vous voyez vraiment exactement la bonne couleur. C'est du Sherpa Checking Grey. En fait, c'est ce que... Alors moi, c'était traduit en français « peau de mouton ». Ça me fait vraiment penser à la peau de mouton. C'est complètement synthétique. Voilà. Ça a l'air fin. C'est extensible. Que dans ce sens. C'est très doux, hein, par contre. Très, très doux. Ouais, il y avait un petit truc. Non. Alors, j'en ai pris 1 m. J'en ai eu pour 6,57 €. Voilà. Alors, ça, c'est pour un projet d'hiver. C'est pour me faire... Alors, ça, ça va être l'intérieur. Ça va être la doublure pour un Bombers Liberté. Voilà. J'ai trouvé quelque chose sur Dressenstufen que vous allez bientôt voir, parce que je pense que je vais la recevoir demain ou mercredi. Moi, en général, le Dressen, je la reçois toujours un mercredi. Donc, je vise plus mercredi. Donc, je vous ferai un haul. Et vous verrez, donc je vous mettrai l'association, vous le reverrez, je vous le remontrerai. Avec lequel, donc ça, ça sera ma doublure. Et bien évidemment, les manches, je les mettrai avec du tissu doublure. J'ai du tissu satin gris. Donc, ça ira très bien pour faire les manches. Et vous verrez. Pour le reste, en tout cas, je l'ai sur les genoux, je peux vous dire que ça tient chaud. Alors, au centimètre, je vais vous laisser calculer un petit peu, il me marque 0,07. Voilà. Mais bon, 6,57 € pour 1 m, je ne l'ai pas mesuré. Ouais, j'ai...
Alors, ça pluche, hein. Je vais m'amuser. T'as des idées des fois, Cathy? Ouais, j'en ai à mettre. Franchement, je vais faire l'effort parce que comme on ne connaît pas ce site, je vais tout mesurer, aussi bien les lèzes, tout ça, et je vous marquerai tout ça au montage. Voilà, il y a des pluches partout. Il neige. Regardez. Mais bon. Donc je vais bien le. Je vais pas le toucher trop longtemps. Ensuite, j'ai trouvé. Alors, j'ai aimé tout de suite l'imprimé. Je dis, prends-le. Et après, j'ai un peu regretté. Je me suis dit, oh, tout. Quand je l'ai reçu, c'est un coup de foudre. Alors, c'est légèrement transparent. Ils appellent ça de la viscose blouse fabric with kiss. Bon. On a compris, c'est de la viscose. Ok. Allez, des bisous. Comme on a envie beaucoup de bisous en ce moment. Voilà. Il est bleu marine. Vous le voyez un peu plus foncé, mais il est bleu marine. Voilà. Je le trouve juste magnifique. Les couleurs sont splendides. Alors, je suis désolée. Ouais, là vous voyez la bonne couleur. Super agréable, fin, on est d'accord. Elle est élastane. Voilà, dans, pas dans le sens de la lèse. Voilà. Oh, je le trouve trop beau. Oh, je suis trop contente. Cette beauté. Oh. C'est pas beau ça? Je ne sais pas ce que je vais en faire. J'en ai pris 1m40, j'en ai eu pour 5,39€. Franchement. Oh, il est trop beau. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, pareil, je vous dirai si les couleurs tiennent, si ça rétrécit énormément. Voilà. Je vous le dirai lorsque je l'aurai cousu. Mais ça, je pense que ça va être vite cousu. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé du tissu maillot de bain. Alors, quand j'ai vu qu'ils en avaient en noir, j'étais super contente. Donc, ils appellent ça Swing Sweet Fabric Black. J'en ai pris 90 cm. Pourquoi? Je vois pas pourquoi j'ai pas pris un mètre, mais bon, c'est pas grave. J'en ai eu pour 11,17€. Donc voilà le tissu, maillot de bain, mieux, hyper stretch, voilà, dans les deux sens, et il est juste sublime. Voilà, il est d'une très belle qualité, franchement. Pardon, je vous fais trembler. Il est très beau. 90 cm. Là, ils ont été... j'ai les mettre 1 mètre facile. Ils ont été généreux. Ça se voit tout de suite. Ouais. J'ai 1 mètre. Donc, 11,17€. Donc, ça, c'est bon, maillot de bain. Hein, vous savez, pour le Nova. Et franchement, je sens qu'on va avoir une belle tenue. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé bouton snap rivé 15 mm. Je reviens.
décidément. Donc, je vous disais, j'ai trouvé des boutons snap privés 15 mm. Alors, les 15. Ben, c'est les mêmes. Alors, pourquoi j'ai commandé deux? Alors, c'est ceci. Voilà. En fait, je connais pas. Et me demandez pas pourquoi j'ai commandé ça. Moi, je pensais que c'était des rivets pour mettre au sac. Je vais ouvrir. Bon, de toute façon, le dessin sera fait ça en direct. Ah oui, en fait, c'est des pressions, quoi. Ouais, c'est des pressions. C'est des pressions métalliques. Ok. D'accord. Ben, j'ai dû prendre ça sûrement pour un projet, je suppose. Bon, écoutez, j'ai pris ça. Hein. On trouvera. J'ai payé le paquet, donc alors j'en ai pris deux, j'ai pris les mêmes. Alors j'ai pris en noir, là, ça c'est en noir, et là c'est en blanc. Voilà. Décidément. Donc voilà, voilà. Je pense que c'était peut-être pour un projet, bon, ça me servira. 3,62 €. Décidément, pardon. Hein. Hop. Je l'ai mis en silencieux. Je pense que c'est... que ça vaut le coup. 3,62 €. Vous me direz. Dites-moi en commentaire. J'ai ensuite pris des pressions cam, prime. Ah bah, si je vous les montre à l'envers. C'est un petit sachet avec plusieurs grilles à l'intérieur. Et ça, le paquet, je l'ai payé 3,35 €. Voilà. Donc là, vous avez le prix en tchèque. Donc je ne connais pas leur monnaie. Mais voilà. 3 € et il y en a... 3,35 €. Bon. Ensuite, ce qui est très intéressant sur ce site, et c'est pour ça aussi que j'ai commandé, j'ai acheté du fil Gutermann. Voilà. Donc, c'est bien du Gutermann. Je vous montre. Ça va focusser? Pas du tout. Bon, bref. Hop. Bref, en tout cas, c'est du Gutermann. J'ai payé la bobine 1,28 €. C'est du 100 mètres. Voilà, donc j'ai pris deux noirs. Donc ça, c'est pour le maillot de bain. Hein. J'ai pris un bleu marine. Un bleu, pas si bleu marine que ça, mais bon. Et j'ai pris un rose. Alors, il fait moins rose que ça. Il est plus vieux rose. Il n'est pas aussi rose fluo. Voilà. Donc, j'en ai pris 4. À 1,28 €. Donc, je pense que pour les Gutermann, ça peut être intéressant. Bah, pour faire le plein, hein. On est d'accord, on est toutes d'accord qu'on les paye quand même beaucoup plus cher. Après, vous me direz 9,50 € la livraison. Bah, limite, faites un plein, quoi. Hein, faut amortir ou si vous pouvez faire une livraison à deux, c'est beaucoup mieux. Voilà, parce que c'est vrai que 9,50 €, c'est quand même un petit peu cher. Mais bon, voilà, on accepte bien Dressensoffen à 8,95 €. 9,50 €, voilà.
Après, je trouve que quand même les prix étaient très attractifs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a quand même beaucoup. Alors, je vais revoir les tissus maillot de bain parce que franchement, ils sont juste magnifiques. Alors, je vais essayer de vous prendre sans trop vous faire bouger. De vous tourner, ça va être quelque chose. Je ne sais pas. Si vous allez voir là, bon, je vous mets comme ça. Vous voyez, ils ont quand même du tissu maillot de bain. Alors, je vous montre en direct, hein, c'est du grand n'importe quoi. Ils ont des couleurs très flashy. Vous voyez, par exemple, celui-ci, noir, il est à 5,02€ le mètre. Voilà, donc je pense que c'est quand même un site intéressant. Et franchement, celui-là, il est juste magnifique. 5,02€. Alors, on a un petit peu le temps pour faire encore les maillots de bain. Oh, celui-là est très rigolo. J'aime beaucoup. Voilà, donc allez voir. Alors, je vous reprends, désolée. J'étais trop, j'avais trop envie et ça fait tellement longtemps que je l'attends, cette commande, que voilà. Franchement, quand je vois les maillots de bain là, j'ai bien bien envie de recommander parce que je suis tellement ravie de la qualité de celui-ci en noir. Vraiment, ça me... Ouais, en tout cas convaincue, vraiment convaincue. Il y a pareil, alors il y a du scuba, donc je ne sais pas ce que ça vaut par rapport à Dressenstoffen, parce que moi je suis habituée au scuba de Dressenstoffen. Je vois qu'il y a du ce jersey scuba black à 9,60€ le mètre. Les scuba sont un petit peu plus chers, hein, que chez Dressenstoffen. Je regarde en même temps, je vous dis les prix. Il y en a un à 8,91€. Donc ça peut du jersey scuba, mais est-ce que c'est le même scuba? Je pense pas. Voilà. Donc allez voir, il s'appelle fabrichouse.com. Moi en tout cas, ce que j'ai reçu, j'en suis ravie. Bon, les rivets, c'est peut-être moi qui ai fait. J'avais peut-être une idée, puis je suis passée à autre chose, mais voilà. Bon, je trouverai l'utilité. Les pressions cam, bon, bah, pour 3€, ça peut le faire. C'est vrai qu'AliExpress, c'est moins cher, mais bon, au moins c'est en Europe. Voilà. Le fil Gutermann, je pense que vous trouverez pas moins cher. Si vous trouvez moins cher, dites-le moi. Je suis preneuse. Mais 1,28€ la bobine, je pense qu'on est bien. Gros coup de cœur pour cette viscose. Gros coup de cœur pour le maillot de bain au niveau de la qualité. Donc comme vous savez que je suis dans les maillots de bain, la lingerie, tout ça, ben je vous dirai très vite mon ressenti. Mon projet pour cet hiver est arrivé, j'attends plus que l'autre. Au moins je suis tranquille, je pourrai tout commencer durant l'été pour avoir mon Bombers Liberté tout chaud pour être bien au chaud. Et bon, ben, mon jersey viscose, franchement, vous remontre, ben, je trouve juste splendide. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur ce site tchèque. Je suis assez contente d'avoir connu ce site. Je recommanderai. Au moins, en tout cas, pour faire du fil. Je pense que je vais passer une commande. Ouais, je vais m'acheter pas mal de bobines parce qu'on, mine de rien, on en utilise. Et je vais un peu plus explorer en fait ce site. Voilà. Ben écoutez, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu, même si ça a été un peu le bazar encore une fois de plus sur cette vidéo. Donc je vous laisse, je vous fais de gros bisous, à très bientôt, et puis on va se revoir très vite avec toutes ces cosettes, hein. Allez,
Oh, on va mettre celui-là enfin. Il est trop trop beau. Trop trop beau. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Salut, salut.